tanto onore e tanto piacere, infine, per su carugno di San Gisè, dopo la strage di giorni passati, che hanno dolorito famiglie stimate e conosciute dalla nostra città e di iso contorni, e buttato oggi un sole veranile nella nostra città. Come l'ha rappelé il Presidente, c'è la deuxième fois che je suis à Bastia pour la célébration de cette fête, puisque il y a 15 ans, j'avais accompagné mon supérieur à l'époque, Monseigneur Jean-Louis Torrent, pour la célébration de Notre-Dame de la Miséricorde à Ajaccio et de Saint-Joseph à Bastia. C'est une grande joie pour moi de revenir, c'est une grande joie pour moi de vous remercier pour l'accueil que vous m'avez réservé, pour les messages que j'ai reçus aussi à l'occasion de ma création comme cardinal. J'ai été vraiment touché par la participation des Corses à la délégation qui est venue à Rome pour le consistoire et par les messages qui m'ont été adressés, qui témoignaient que cet événement a été vécu comme quelque chose qui intéressait la Corse, comme un honneur pour la Corse, et je vous en remercie du profond du cœur. Je vous remercie, Monsieur le maire, pour les paroles d'accueil que vous m'avez adressées. C'est vrai que je crois que nous avons chacun dans le monde où nous vivons le devoir de faire ce que nous pouvons, de donner notre contribution à ce que le monde soit davantage vivable, que la paix et la concorde puissent s'instaurer et la solidarité entre tous. Et cela se fait bien sûr, cela est nécessaire bien sûr, aussi bien au niveau international qu'au niveau de chaque commune, de chaque quartier, de chaque communauté. Et une fête comme celle de Saint-Joseph nous rappelle justement ces valeurs essentielles, ces valeurs simples souvent, qui sont à la base de la vie en commun. Et Saint-Joseph, son exemple, son intercession peut nous aider à les mettre en pratique aujourd'hui dans notre vie et dans nos relations avec les autres. Et je crois que j'ai cité aussi l'importance des confréries, justement dans ce domaine de l'engagement quotidien. L'engagement des chrétiens, ce n'est pas seulement celui des prêtres, des religieux, des religieuses, ce n'est pas non plus seulement quelque chose que l'on doit pratiquer en venant à la messe le dimanche ou en participant à quelques activités de l'Église. L'engagement du chrétien, il doit être dans tous les domaines. Et, bien sûr, dans cette période en particulier, vous avez certainement entendu le pape François insister sur cette nécessité que tous les baptisés prennent leur part dans la vie de l'Église. Et je crois que les confréries ont un rôle important, en particulier là où elles existent et elles sont vives depuis très longtemps, ont un rôle à jouer dans ce domaine, un rôle important, à la fois parce que elles sont proches de l'Église, des activités culturelles et pastorales de l'Église, et à la fois parce qu'elles ont aussi un rôle social important dans ce domaine de la solidarité qui est très fondamental dans toutes les sociétés, et je dirais particulièrement aujourd'hui. Donc, je vous encourage à poursuivre cet engagement, à faire
en sorte que dans vos quartiers, dans vos familles, partout, vous soyez des artisans de paix, de concorde et de progrès dans la solidarité. C'est ce que le Seigneur attend de nous. C'est ce que Saint Joseph a pratiqué avec tant de foi dans le cœur.